peu enfoncé. Peut-être pas, hein. On est dans la boîte, c'est tout. Hélène. Fais pas trop de pub là-dessus. Ouais, ouais. Elle a pris. T'as vu qu'est-ce qu'il a dit? J'ai oublié, voilà. Médiéval. Une crêpe. Deux crêpes. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. N'ayez pas peur. Ah, mais c'est gentil. Aubergeon. Le aubergeon, c'est ce qui arrive juste en dessous de la taille. Et vous avez l'auberg qui, lui, va jusqu'aux chevilles. Et lui, peut peser jusqu'à 45 kg. Et le, tout ce qui est auberg, vous avez les manches et le camail qui est incrusté dessus. C'est un complet total. Et vous pouvez avoir les gantelets et les jambières aussi. Enfin, le pantalon. L'ensemble. L'ensemble. Tout en de maille. Alors imaginez tout complet comme ça. 45 kg plus le poids du gars déjà. Ouais. Et en plus, certains mettaient une armure au-dessus de leur protection de maille. Pepito, mi corazón. Pepito, Pepito. Ça va, D'Artagnan? La starlette. On va défiler pour son père. Mme
Mademoiselle Tracy qui monte sur un cheval du nom de Pepito. Vous connaissez Pepito? Arrête, vas-y, fais toucher les oreilles. Encore, penche-toi. Maintenant la queue. Vas-y, de lui toucher l'épaule. Ouais, l'autre. Le ventre. Et toi, c'est comment? Moi, mon prénom? Marie. Marie. Marie la poutre. Ah, c'est une excellente Marie. Et Marianne, Marie-Jeanne, et Marie-Antoinette. Alors, Pepito, qu'est-ce que tu voulais manger mon pain, Pepito? Tu es bizarre, non? Je pense que ça serait bien à son goût. Hein. Alors, mademoiselle Messi, comment ça se passe? Trop bien. Ça te plaît? Oui. Ben, on y va alors. Allez. Il vaut rien, il avance pas une rame, il est entier, en plus vraiment qu'on l'a gardé entier. Avec le tronc. Eh ben on en parlera plus tard. Il a la forme de ta bouche. Regarde la forme de sa bouche et regarde le dos de ma fille. Vous êtes là cette nuit? Ouais. Bon, bah on vient. Ça met un goût dans la corne, non? Le roi de la cervoise. C'est un croisement de Catherine Lara et de Yannick Noir. Isabelle, il manque la voix et la chevelure, mais sinon tout le reste. Ah non. Raté. Vite. C'est pas par là. Oui. Qu'est-ce que je voulais? C'est comment? Moi, maman, poulet. Florida, je l'avais presque à sa place. Florida. 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 Il ne sait pas déjà avec la tarte au fil. Bonjour, les pêches de la vente. Bonjour, la caméra. Comment? Ah oui, il n'y a pas de caméra. Ah non, non, non. Alors, c'était bon? Ah, splendide. Alors, on va mettre l'après-midi à digérer. Ça va être, C'est mieux sur les chevaux. Ouais. Ah, sur les chevaux, non, on n'a pas la chance. Ça va être à côté des chevaux. On n'a pas la bonne place cet après-midi. On n'a pas la bonne place. Ah, peut-être ce soir sur les chevaux, pourquoi pas. Ah ouais, après. Ah oui. Non, voilà, elle est très très bonne. Ah bah il va être content. Dans son bled. Bonne fin d'appétit, hein. Ouais. Ah monsieur, pardon. Merci. Plus chaud d'un euro. Combien d'euros? Et voilà, 1,5 €. Merci de gros. 10 sous seulement les chouchous de Loulou. Ouais. Que ce soit les photos ou les caméras. Dommage, parce que c'est facile. Pour ces 18e fêtes médiévales de Provins. En effet, les origines des animations médiévales de Provins remontent à la Seconde Guerre mondiale. À grand besoin de se divertir pour faire initier vos enfants à la taille de pierre. Également, nous pouvons assister à une démonstration de
Ah oui. Tu vois la marque, on a l'impression. Je vais les faire photographier. Oi, oi. Aujourd'hui évidemment, mais tout a été forgé. C'est quoi? On peut les trouver ici sur place. C'est en Europe. J'ai une armure, mais elle n'est pas terminée. On peut pas la dégainer là. C'est que le wakizashi, normalement. Ils ont un sabre long et. Comment on reconnaît que je suis japonais? Vous allez voir le côté face. Alors voilà, travailler sur nos armes. Mon casque me protège. Le Seigneur nous protège. Il est la seule véritable armure. Ta foi te sauvera. Certes. J'ai parfois tendance à l'oublier. Veuillez m'en excuser. Mais... Magnifique, ma parole, la vie de ma mère. Ah oh, bah oui, c'est magnifique, hein. Oh, magnifique. Ouais, tout
elle est gentille, la caméra. Oh, le plus beau. Ah bah c'est le meilleur, comme d'habitude. De l'avoine. L'avoine, non, je ne donne pas, de la pas besoin. Tu ne donnes pas de l'avoine? Je préfère. Qu'est-ce qu'il mange, la pâte de l'herbe ou du foin, c'est bien suffisant. Un peu d'avoine. Ben, ça les rend excités s'ils ne travaillent pas. C'est... Des ça peut les faire crever d'un coup de sang. Des maîtres. Hein. Non, hein mais... Il vient un temps où l'oiseau sur votre banc est prêt à s'envoler. À mesure qu'il s'éloigne, il vous semble plus près, mais s'élance toujours plus haut. Où vous situez-vous alors ? Du cheval
se produisit dans les régions d'Asie. Le berceau de la fauconnerie serait situé dans ce même périmètre, bordé à l'est par la chaîne de l'Altaï, au sud par la mer d'Aral. Il ne convient pas. Semble-t-il, tout au long de l'histoire, les faucons furent tenus en très haute estime par les chasseurs nomades, les classes privilégiées de la société et par la monarchie. Si ce fauconnier est au centre des plateaux, la deuxième jusque derrière, les deux autres à la mille en vol, à qui on a demandé tout à l'heure un petit exercice de précision, celui de se saisir d'une récompense en vol. Maintenant, si tu nous entends, ne va pas trop loin. Alors cet oiseau, eh bien, vous avez été utilisé en chasse. Allez, mille malandres, ce que tu fais encore. Alors, voici nos agrélestèpes qui sont plus ou moins de la même morphologie pour cette nourriture indispensable à la survie de ces espèces. Bonjour, bien sûr, notre grand... Non, définitive, avec la tête et la queue blanche. Je regarde pas. Gentiment qu'on peut pas renoncer. Ah. Il est content de l'avoir abandonné. Il aime bien. La corde qui frotte sur la roue. Et puis on peut mettre des bourdons. Une partie rythmique qui est donnée avec des impulsions de la main droite. C'est le principe de la vie à la roue. Voilà. Donc. Je suis payé. Hein. Il est au bout de la rue là. Oui. Si tu veux, moi je cours en bas. Attends, il y a le cavalier. Il va pas t'écouter. Hein. Il va. Si tu lui dis les cavaliers. Si tu lui dis les cavaliers. Attention, monsieur. Non. Surtout avec une bière à la main, on fait attention. Surtout elle. Non, faut pas enregistrer.
enregistré, ça. Je ne sais pas où il est, il a perdu Hugo, là. Et il y a des camions, là, au fond. Il est là, Christian, mais oui. Donc c'est ça, mais c'est très efficace. Évidemment, les professionnels de la guide, c'est un professionnel. Tout est adapté en fonction de qui tu vas combattre. Voilà, ça c'est les différentes dagues qu'ont traversé les siècles. Une des plus vieilles c'est le Saxe, type scandinave. Là vous avez la dague à couillette. Là vous avez un coutil d'armes. Là vous avez une dague à rouelle. Là vous avez une dagasse. Là vous avez un baselaire. Là vous avez un couteau de type musulman. Et là vous avez une autre dagasse. Et c'est vrai que les dagues et les couteaux évoluent avec les siècles en fonction des peuples. En fonction de la richesse, le type de l'individu. Donc ça peut être un... On vous a pas donné un petit... Je sais pas, mais il y a un petit numéro de téléphone. Non, ouais, on a le droit. On a pas le droit. Ok, ok. Ils ont fermé. Parce que... C'est quoi? Regarde, regarde, chérie, comme il fait. Regarde. Qu'est-ce que t'as vu comme il est beau? C'est quoi? Ça prend un terrain. Doucement, 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 doucement. Mais t'es pas peur, il te fera rien. Doucement. Parce que je craque. Changement d'instrument. C'est une méthode C'est de la dentelle au fuseau. Au fuseau, ah d'accord. Oui, c'est un ancien métier. Ça se voit plus, hein? Il y en a encore. Il y en a encore? Je suis là. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont copié le... Il y a une école au puits, je sais pas. Mais oui, je pense. C'est spectaculaire quand même. On a établi une règle du jeu. C'est quand même plus beau à voir à la main que pour les machines. Ah oui, on ne peut pas comparer la dentelle mécanique et la dentelle au fuseau, hein, ça c'est sûr. La dentelle mécanique a détrôné la dentelle au fuseau. Thank you.
télévision. J'ai vu que le barbu, hein. Hello. Quel barbu? Le barbu qui était là, à côté de la baie. Le barbu, il a fait un peu ronde. Il a fait pour qu'on lui laisse un souvenir. Comment, il y a des débiles à table? Il n'y a pas de débiles à table. Il y a des gens qui savent vivre. Papa, là-bas. Hop. Non, on ne pourra pas passer derrière toi. Si, c'est bien. La maman, la maman, la maman, la maman. Thank you.
Tu es monté sur quel cheval? Le grand. Le grand? Il a eu un cheveu, il a eu avec un ours, avec. Oui, non, il a rien Amusons-nous, faute d'autre chose. Eh bien, ne pouvant m'abaisser à l'usage d'un vulgaire bâton, je prendrai l'épée et m'engage à ne point trop te meurtrir. Thank you.
responsable au niveau des ateliers de couture et qui, avec son groupe de femmes, deux fois par semaine, travaille pour les costumes de la fête médiévale. Et je la remercie parce que, au nom de tous les cavaliers, parce qu'ils font un effort, ils nous taillent des costumes sur mesure pour qu'on puisse même monter à cheval. Merci.